je parle dans ma coupe privée pendant plusieurs fois et je pense que nous ne sommes pas contents avec, ça. Donc, est-ce que vous entendez moi bien? Nous allons dire si oui, si, si ça va marcher, ma petite zone, l'autre moyen. Mais en attendant, moi, ça, c'est le qui gagne. Ok, vive, on est pas là, vive Guy Philippe là. Est-ce que vous entendez, dis-moi si vous entendez nous d'abord pour me continuer à parler là, parce qu'il n'y a pas grand pile de temps, non là. Pas grand pile de temps. Mon nom dit allô, mais on va dire que vous entendez non, c'est pas dire que vous entendez moi. Oui. Bon, finalement, quand madame a dit, oui, il a dit. Eh bien, ok, on a dit, nous, gros, bonsoir. Nous, na, actuellement, nous sommes dans la deuxième étape et voyage ça qui mène nous en République Dominicaine. Et nous dans la deuxième étape là. Et pendant trois premiers jours, depuis dimanche, nous sommes dans Santiago de los Caballeros. Et de là, étant, nous sommes allés sous frontière dans la zone d'Arabong. Et comme qui dit oui, nous entendez. Donc nous sommes allés dans Dahabong, et qui sous frontière et avec la République dominicaine. Quand nous avons constaté l'activité qui a fait, qui gens dominicains eux même y a fait face avec la situation, qui gens même y a traité. Et bon, pendant que nous avons été fait aucun maltraité, été mal traité. Nous étions maltraités haïtiens, non, mais nous étions activités, et ça que nous avons constaté qu'on va et vient, un mouvement que l'immigration dominicaine continue à faire, c'est un mouvement de déportation en camping. Nous étions quoi que nous avons campé sous lit, mais nous pas campé sous lit, pour le contraire. L'opération a continué comme si rien n'était tout à fait normal. Opération ça, l'opération dénicher haïtiens qui vivent dans le territoire dominicain illégalement et mener retourner en Haïti. Donc c'est ça que nous avons constaté, nous constatons en pile, monde qui retournait, des monde qui était retourné par la force, ça c'est monde qui déporté, et l'autre monde qui retournait volontairement, ça c'est monde qui dit que était en République dominicaine mais papier était expiré et document légal était gagné mais il a expiré et puis il y a des problèmes passeport par exemple qui très difficile pour eux et bien monde ça yo. Ils ont décidé tout simplement et ils prennent valise avec petit yo nan men yo et ben yo retourner la caille et ça m'a dit une activité ça son activité qui censée continuer normalement. Nous sous frontière c'est vrai nous quitter frontière et nous venir dans la capitale là République dominicaine qui c'est capitale là qui c'est Santo Domingo. Et dans Santo Domingo, peut-être nous sommes capables de décider, c'est la capitale, c'est la politique là. Là-dedans, toute une communauté haïtienne tout cap vivre là, et qui est légale. Que, mais nous venons justement rencontrer avec eux, et ouais, qui opinion ils ont, qui ont pensé, ça ont pensé de, par exemple, de conseil et présidentiel là. Qui gens que crise dans le pays d'Haïti a qui impact que le gain sur. Par exemple, Chicago, nous rencontrons un entrepreneur haïtien et qui dit effectivement crise Haïti a ou bien crise ça passe en Haïti a des impacts sur lui-même en tant que homme d'affaires parce qu'en principe il était grand pile clientèle haïtien qui était convenu manger dans un restaurant que le gain hein, mais monde ça va venir encore. Donc nous rencontrons l'autre entrepreneur encore c'est un monde qui dans et secteur immobilier cap vendre caille cap vendre terre et bien il dit nous lui-même bagarre là bon diminution qui fait sous business que l'a fait. Donc ça veut dire que par moment que ça va passer en Haïti, il n'y a pas de effet sur Haïtien qui vivent ici en République dominicaine. Par exemple, par exemple, on va que je pas attendre que tu as pas parlé. Je dis même pour Biden, il y a un impact sur même tout parce que il y a un pile haïtien qui vivent en République dominicaine, qui étaient des clients, et bien Mounsayo, ils fait mal et jeté aux États-Unis. Nous allons parler de frontières là un petit peu. Eh bien, frontière, c'est ça, d'ailleurs, les gommes de sécurité. C'est une sécurité qui est vraiment très élevée. Et il y a plusieurs raisons que les autorités dominicaines ont expliqué pour ça qu'ils ont augmenté les sécurité. D'abord, et après, la frontière techniquement fermée. Donc, ils n'ont pas tout haïtien capable de venir, apparemment, venir traverser, etc. Ou capable de traverser sous tes sorties, par exemple, sous tes grands sauts. Ou t'es entré en République dominicaine, sorti non pays. Que ce soit aux États-Unis, n'importe quel pays où tu es sorti, ou tu es un saut d'entrée dans l'aéroport dominicain. Et quelle que soit la raison où tu es arrivé, sorti, quitter Dominicani ou aller en Haïti, ou capable de retourner. Dès que tu as monté sur ça, ou capable de retourner. Mais si tu n'as pas gagné tout, ou pas capable de retourner, et garde très ferme sur ça,
côté que prendre des mesures tout parce que par contre qui mon cap vient donc il dit que mais prendre des précautions parce que on est que et nèg armé en Haïti qui a fait cap simuler la terre nèg capable utiliser territoire dominicain puis au vin cacher etc. et donc récemment encore avec les derniers levé campé qui sont fait avec monsieur nèg armé toujours et bien, monsieur justement il dit que même il pas prend chance du tout et yo pis c'est abserré boulon immigrant pour assurer que moun kap sorti yo tout c'est bon moun yo pas parce qu'on passeport étranger non même si on passeport étranger non mon ou pas sorti nan sorti de territoire dominicain pour aller en Haïti si ou pas escorté peut-être un bas officiel même j'ai tout ce qu'on passeport étranger nan mon tout ou pas ka rentrer sur territoire dominicain tout si ou pas gagner nan mon ou pas gagner avec une délégation ou même pas fait partie d'une délégation qui a venu. En tout cas, pour ça concerne escorte et délégation, évacuation, eh bien, nous apprenons qu'il y a plusieurs pays qui font évacuation, ceci Haïti, Pene Mounio, République Dominicaine, justement, Pene Dominicaine, plus qu'à un pays. C'est car que, par exemple, les États-Unis entreprennent une démarche comme ça, mais peut-être qu'ils font la partie du cap haïtien et non notre, même que l'autorité était mise dehors. Eh bien, je te dis que, puisque c'est au cap opération à fait pour y aller maintenant on en côté aux États-Unis et ben te demander moun ki ka vini mais avec propre risque parce que yo pa gen moyen logistique pour prendre port-au-prince par exemple pour traverser moi sou gen moyen ka privé moyen nan ko faire ou faire inscription tout ou réserver ko ap vini nan ko ap vini et bien bon laisse ça sou ka arrive pou ka arriver et ben laisse certainement y a mettre au rang. Je me rappelle que le voyage n'est pas gratis, les vacances n'est pas gratis. Et vous êtes assuré que tout le monde qui vient, ils vont pas payer pour signer pour assurer que vous avez un crédit, vous ne pouvez pas payer, non. L'arrivée, il y a un billet là-bas ou bien une note là-bas pour payer et frais voyage. Donc tout le monde qui accepte de venir dans le voyage, il y a déjà au courant comment ça est. Il y a déjà au courant que ça capte. Donc c'est une situation ça. Situation ça, en Haïti, elle préoccupe un pays dominicain. Dominicains surtout dans le secteur d'affaires, le secteur politique là, ils ne peuvent pas arriver en pile parce qu'on ne connaît qui ça va passer. Parce que tout ça qui passe en Haïti, qui est négatif, eh bien, il est capable de conséquences sur eux-mêmes. Parce que les gens sont capables de venir et la caillou, ils sont capables de venir, ils sont capables de venir pour refuser la caillou. Et c'est comme ça que, après incident côté que les gars ont écrasé deux prisons, ils ont libéré un paquet de prisonniers, eh bien, ils ont dit, il n'y a pas qu'on est mounio, et bien qu'on y a plus à bourrager, l'homme on a vini pour entrer. Pour la presse, moi j'ai rencontré un journaliste qui se tient à la main, et monsieur Noël, et bien lui-même dit moi, il y a des jours, il connaît sur mon ciel, il fait va, il vient lui-même, vient travailler, vient chercher information pour radio le travail là. Mais il dit, il y a des jours, quand vous voyez M. Abalé, il dit à journaliste, il ne pas rentré. Il dit, là, il dit ça, ben il dit pas rentré, non. Il était, il pas rentré, il pas rentré. Alors, qu'on y a là, donc deuxième voyage là, deuxième étape là, nous dans Santo Domingo. Et je nous dis là, nous déjà commencé à multiplier contacts avec haïtiens qui là, qui travaillent toujours, par exemple, et très bientôt, Haïti pralement qui ça relève. Alors, quelques journées internationales diaspora. Et bien, il y a un gros préparatif qui a fait bon ici, avec la communauté haïtienne, justement pour marquer journée ça. Nous avons une chance pour nous faire quelque parmi et moun nan communauté qui sont censés impliquer dans affaire haïtien yo nan affaire journée internationale soir nan font visite tout et puis très certainement nan font des opinions et communauté haïtienne que nous va rencontrer et très certainement va dire qui gens crise dans pays d'Haïti a qui impacte les sur qui gens y affecté yo et qui gens a regardé moun yo gen opinion différent soit faire conseil et présidentiel là gen moun qui gen opinion différent sous possibilité pour y envoyer et pour avoir une troupe étrangère qui a venu en Haïti, que Kenya a dit. Il y a des gens qui ont une opinion différente. Donc c'est tout le bas que nous avons porté pour et c'est tout le bas que le chef de sécurité, en particulier le chef de service, a voulu la venir justement venir garder tout le bas. Et nous avons du côté nous là, peut-être ou quand même du côté nous là, mais bon, nous avons à Avenida Maximo Gomez. Et avec 27 février. Donc, c'est dans le coin ça que nous y est, côté que c'est là nous déposer mal avec nous tous.
m'pas qu'à faire reportage devant l'hôtel là directement. Donc, maintenant, si comme ça, au moins, côté nous va et comment ça est. Mais c'est un grand plaisir. M'dé a dit nous, et grand pile bail qui est capable de tomber, que nous pral connaît. Et opinion publique haïtienne, communauté haïtienne qui est là. Et parce que grand pile monde qui comprend que tout haïtien qui est en République dominicaine est illégal, mais bah ouais, grand pile haïtien qui est là, qui investit, qui est professeur, qui est étudiant, même monde qui réside et tout, et qui a haïtien tout, qui a une nationalité dominicaine tout, et qui est là. Donc c'est monde qui va faire one pot. Donc tout le monde est là à prêter. Donc voilà. Nous avons fait une petite préparation, petit parler ça avec nous jeudi. Justement, nous avons dit que nous avons une deuxième étape et voyage là. Deuxième étape voyage là, côté nous avons essayé ouais, pour nous faire qu'on est exactement ça. Mais nous déjà parlé de question immigration. Hein. Nous montrons qu'il y a deux types d'immigrants actuellement. Il y a des immigrants illégaux que l'autorité dominicaine a arrêté ou forcé retourner. Et il y a des immigrants qui pas gain document légal ou bien qui te gain document légal mais document expiré donc yo pas gain moyen pour expirer pour renouveler li ou l'autorité ou pas le renouveler li donc moun sa yo face à pression que immigration a prêté sou yo parce que haïtien do pour moun ka vivre sa yo do yo c'est au jour le jour à vivre yo di là et là au sorti c'est là retourner la caillou yo connaît que je dis à immigration pas prêté sur donc il camine sinon gain moun ki on court il gain moun ka tu a vivre immigration comme zone pour y aller côté. Là, on voit ici, on mettait de côté, on prison et les Aïna. Et bien, on mettait là, après, on quittait. Et alors, c'est un monde qui t'a expliqué moi. On mettait une Aïna, côté, on fait papier, on fait document, on fait empreinte digitale et tout le bagage. Ensuite, on va retourner en Haïti. Le arrivé en Haïti, c'est le même processus là, toujours. Hein. Et que ce soit la police, ou bien encore OIM, ou bien quelque soit agence qui se frontière à tout. Mais au même tout, ils ont fait même bagarre avec les Haïtiens. Ils ont fait un possible pour faire emprunter tout bas, font dossier pour eux avant que l'aguer, avant que voyez dans le pays et pays d'origine. Donc, mais son activité capitaine, mais c'est activité qu'on ne va pas parler de lui. Bien, l'autre activité que vous ne pouvez pas parler tellement de lui, c'est activité commerciale. Là, pas fait, mais vrai. Il y a une grosse activité commerciale qui a fait dans zone frontalière, mais c'est activité côté commerçant voué acheter ciment. Gâteau, pour quantité de trailer ciment moi qui en Haïti, avec l'autre matériau encore, eh bien, avec l'autre produit tout. Mais c'est le monde qui passe les commandes et puis pour un arrangement qui fait entre, je ne sais pas si autorité, à quel niveau entre autorité de pays, mais et autorité immigration, et autorité là nous dominicain, permettre que chauffeur seulement traverser les limites d'Arabon. Aller dans tout Sibaoua à chercher matériaux bien produits ça que le commerçant haïtien t'a commandé. Et puis, on a l'autre commerce tout, on commerce fait peser. Moi, ouais, plusieurs petits camionnettes, ils jouent tout caoutchouc, vieux caoutchouc, et moteur, machine, tout le bagaille. Puis, monsieur, il a acheté, et puis, il a le vendu à une compagnie. Il était dit que son compagnie chinois éventuellement, il venait en compagnie en vendre. Mais c'est comme ça qu'on s'en a ici longtemps. Côté que tu as acheté, pièces, machines, fait, tout ça que nous avons joué dans la rue, il était comme côté Alpes et il va encore bien. Pour le programme, ça a existé tout dans la zone et nord ou bien dans le nord-est, et puis tout du côté de Dahabon. Et si on sait de si motocyclette 3 ou. Qui peut te charger et passer la douane. Vous payez la douane pour rentrer avec elle. Vous payez un frais. Et puis après ça, il y a le venu. Donc, nous ne pouvons pas comme vous pour ça. Eh bien, en quittant nous là, nous ne pouvons pas encore, nous ne retournons pas encore, mais veillez toute plateforme. Pas oublier, visitez toute plateforme VOA Creole. Et côté que nous avons cherché toutes les informations qui viennent, tout ça qui vient. Il y a des informations que. Mon a parlé nous pas connait nous pas rien t'a posé une question que pas me pas connait m'pas connait toute bagaille ou si me connait pas c'est pas bagaille que me capable partager ou bien c'est pas bagaille officiel m'pas capable partager bagaille comme ça bien mon cap dit vive tel bon m'pas connait pas connait bonjour les dit là dit vive tel etc. Bon OK mais bon et ça qui dit concernant ma première question mon concernant et conseil présidentiel là
il t'a semblé que CARICOM définitivement d'après nous toute nouvelle yo fin recevoir quantité liste moun qui et yo soumettre ba yo donc qu'on a arrêté et liste ça pour yo soumettre li ba premier ministre Ariel Henry que lui-même alors premier ministre démissionnaire Ariel Henry qui lui-même pour aller organiser un conseil des ministres n'ta ka comme ça et puis après ça yo va publier un décret qui pour nommer moun yo officiellement et là ça à partir du moment que conseil présidentiel là installé et bien d'après déclaration premier ministre sortant Ariel Henry qui fait l'après à l'école mais la prête là quand même pour exécuter les affaires courantes et après ça conseil là lui-même il y a d'autres bail que va faire une feuille de route que a bali et une mission que va gagner c'est river sélectionner ou bien qu'on choisit un premier ministre et les premiers ministres a fin choisi et l'y accepter parce qu'il pas pour passer devant pour passer devant parlement et bien une fois que le fin est installé il forme gouvernement laisse à gouvernement démissionnaire n'a pas de premier ministre démissionnaire Ariel Henry qui semble jusqu'à présent toujours Porto Rico et alors mon gouvernement si j'avais pas payé parce que nous pas combien monde qui avait lui et nous connaissons des ministres qui gèle partout dans Haïti dans dernier voir de faire mais il y a pas organisé un ministre on va et puis de ça pour ministre il y a tout gouvernement après tirer corps net sous scène politique là pour permettre que nouveau gouvernement fonctionne et puis certainement et conseil présidentiel là qui gagne est-ce qu'il gagne 5 6 ou 7 membres et en tout cas quantité de membres gagne il va travailler eux-mêmes justement pour capable franchir, exécuter feuille de route là, jusqu'à ce qu'il y arrive sous déroulement ou bien sur organisation élection. Nous avons toute parole qui t'a parlé de élection pas de fait tout de suite. Et bien bon, nous arrivons dans l'autre cas, côté élection encore, il pas semblé que c'est pas demain qu'a fait, mais quand même, il y a espoir qu'a fait, qu'on y a ces questions de sécurité, qu'a parlé, etc. Voilà. Bon après-midi tout le monde. Moi, dans Santo Domingo, Véra Creole, nous présent. OK? Donc, n'a veillé pour nous. N'a veillé et n'a partagé à vous tout ça que nous jouons concernant le pays d'Haïti. Et même qu'il y a la presse dominicaine, même, à garder question Haïti, parce que.